still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Eh bien salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la mouture, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la série Dilos. Donc ça faisait un certain temps que que je n'avais pas fait d'épisode. Et du coup bah ça m'a permis d'avancer déjà dans le mode de 1 et de 2 de pouvoir mettre en place plus de choses pour les épisodes. Comme vous pouvez le voir, suite à l'argent que j'ai réussi à générer avec la drogue, j'ai pu m'acheter cette magnifique Ford Mustang GT 2015. Et je vais vous montrer ma nouvelle villa de... Wow. Connard, bah... Ouais, vous êtes pas censé parler comme ça, les gars. Ouais, du coup, je me suis acheté une villa aussi. Donc, j'ai bien progressé dans le trafic de drogue, là. J'ai remarqué qu'il y avait quelques améliorations, en gros, par rapport à... Comment dire. En gros, plus on progresse dans les niveaux, donc plus on vend, plus on progresse, plus on débloque de places, de drogue, des trucs comme ça. Du coup, là, moi, il me semble que j'ai 80 places. Et du coup je suis bientôt au niveau 10. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais tourner cette vidéo maintenant, parce que pour essayer de passer le niveau en vidéo ensemble. Et du coup là je vais essayer de retrouver la villa. C'est bon, je sais où est-ce qu'elle est. Hop là, elle est tout là-haut. Donc la Ford Mustang GT sportive et tout là, tout sport hein, dedans. Elle est monstrueuse. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, avance. Du coup aujourd'hui but de la journée, ce sera bien de continuer le trafic de drogue. Puis il y a des camions qu'il faut saisir et emmener dans des entrepôts pour récupérer de la drogue dedans. Du coup c'est ce qu'on va faire, on va essayer de trouver quelques camions. Hop, on rentre dans la villa. Hop, ici on a Fabrice qui s'occupe de tout ce qui est réparation de voiture. C'est lui qui a tuné totalement la voiture, hein, la Ford Mustang. Au pire, vous savez quoi, on va la laisser dans le garage le temps que je vous fasse visiter la maison. Hop là. Allez, pas besoin de courir, on n'est pas pressé. De toute manière, notre vie elle est déjà totalement tracée, je pense, dans le trafic de drogue et tout. Allez. Du coup, petite entrée, on va se mettre en vue première personne. Petite entrée sur la maison comme ça là. Là-haut, c'est, je vais vous montrer directement. C'est un petit étage qui sert pas à grand chose en fait. C'est juste en gros un petit salon d'été, vous voyez. Hein. Là-bas, on a un petit barbecue pour quand il fait chaud. Là-bas, on a l'hélicoptère. Par contre, ça, c'est vachement utile. Hein. Hop, on va aller voir. Je vais vous montrer ma chambre. Petit écran plat là, si jamais on veut projeter quelque chose pendant qu'on fait une petite partie de billard, on a pas besoin de l'arme. Hop, donc ma chambre avec petit dressing personnalisé. Oh, on a une fuite d'eau au sol apparemment. Ok, bon, ensuite la douche ici. Ah ouais, c'est la douche qui est ouverte en fait. Ok, donc petite télé là, Michael de Santa. Allez, du coup, on va aller directement à la partie la plus intéressante et la plus belle. Oh, pardon. C'est tout simplement, je sais pas comment, si on peut appeler ça un balcon, mais la terrasse. Hop, ici, petite terrasse avec quelques femmes qui s'amusent. Ah, apparemment, on a pas d'eau dans la piscine. C'est bizarre. Ah ouais, on a de l'eau nulle part. C'est super bizarre. Je vais voir avec mon chef pour qu'il nous mette de l'eau. Ah bah, ça veut pas. Bon, c'est pas grave, hein. Je vous verrai dans le prochain épisode. De toute manière, je verrai avec mon directeur pour qu'on ait de l'eau. Donc ici, second petit salon d'été, mais en dessous. Encore un écran, là, un petit signe de piscine, en fait. Là, c'est petit jacuzzi, sauf que bah, y a pas d'eau aujourd'hui. Et du coup, ouais, petite lumière, là, les lumières que vous voyez, là, dans l'eau. C'est tout simplement, quand il fait nuit, bah, ça s'allume et on a la piscine qui est éclairée, quoi. Donc ici, petit bar et tout. Là-bas, c'est le balcon sur ma chambre. En dessous, là, ce que vous voyez, c'est bien le parking. Hein. Hop, je vais vous montrer l'hélico. Hop, là. Hop, s'il veut bien monter. Voilà, voilà mon hélico, là. C'est petit personnel, là. Il y a le mécanicien qui s'en occupe. Hop. Et du coup, je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre. Vous allez halluciner. Dans ma maison, j'ai... une salle de cinéma. Voilà, une salle de cinéma avec des mousses acoustiques sur le mur et tout. Petit frigo. Et la petite piscine d'intérieur si jamais il fait pas beau dehors pour pouvoir se baigner.
Et du coup là on a fait le tour de la maison. Du coup on va retourner au garage à récupérer la Mustang. Et je vais vous montrer la pièce secrète de la maison hein. Donc là normalement il y a de l'eau un peu partout. Regardez la petite statue et tout. L'hélico on le voit bien. Et je vais vous montrer la... Oh c'est un... Ah oui c'est le balcon. Je vais vous montrer la pièce secrète de la maison. Vous allez halluciner les gars. Alors on va... Ah mince. C'est pas là. C'est ici. Vous allez halluciner. Hop là la petite Mustang. Salut Fabrice le réparateur. Et ici tenez-vous prêt. C'est tout simplement l'armurerie. Et là où on prépare tous les coups. Donc j'ai quelques billets hein, d'anciens braquages. Ok d'accord. Là on a le sol qui est un peu pété. Donc quelques billets d'anciens braquages, quelques lingots. Vous voyez quelques armes aussi hein, histoire de... Si jamais j'ai besoin de quoi que ce soit, hop, j'ai une petite arme à portée de main. Du coup, là, mon arme de poing, je l'ai. Du coup, elle sera pas dans mon sur mon mur. Hop, là, petit tableau pour écrire des plans. Ici, on a les plans d'un braquage. On voit les commissariats qui sont bien définis. Donc ici, ici, ici et ici. Et voilà, voilà quoi. Du coup, hop, encore une petite paillette de lingots. Vous voyez que quand même la drogue, ça rapporte pas mal. Hein. Allez. Du coup pour nous fini la visite hein, c'est pas tout d'avoir de l'argent mais il faut travailler pour l'avoir l'argent. Du coup on va tout de suite hop là. On va directement aller en ville récupérer un camion si c'est possible. Et même on va avant ça on va aller voir un dealer pour essayer de lui refourguer ce qu'on a pour pas en avoir trop dans les poches en fait. Du coup le dealer le plus proche il est où? On va aller à celui là vous savez quoi, c'est toujours tout droit en fait. Mince. Allez c'est parti. Le seul truc c'est que si jamais je dois abandonner ma voiture pour un camion, je devrais laisser ma voiture dans la rue et ça me fait assez flipper étant donné que c'est pas une ville très très sûre hein, Los Angeles. Avec la police française, ouais Los Angeles avec la police française bien sûr. Hop regardez lui il est pauvre, lui il a une petite voiture de merde. Hop là, on bombarde hein, mais on fait gaffe à pas avoir d'accident parce que le moindre pet, Fabrice il est pas content et ça lui coûte 10 000 euros quoi. Enfin c'est moi qui paye mais bon, c'est quand même mon compte en banque. Allez. Wow. Ah oui, y a que des voitures de luxe ici en fait, c'est vraiment un truc de ouf. Allez. Wow, on est quasiment arrivé. Ok, donc je vois, c'est le dealer juste devant la caserne, hein, celui-là. Ouais, j'ai failli m'éclater là. Je me suis fait une petite frayeur. Ouais, c'est ça, devant la caserne, le commissariat. Lui, c'est un grand malade par contre. On va essayer de voir si on y a pas moyen de récupérer quelque chose. Oh, ce serait pas la concurrence là-bas ici. Et si jamais il commence à faire nuit, on ira. Enfin même s'il fait pas nuit, on ira dans un petit bar de striptease histoire de se détendre. Je vais ranger mon arme pour pas l'effrayer. Salut mon gars, alors j'ai de la cam à te refourguer. Ah non bah finalement j'ai pas de cam. Ouais donc vous voyez là je suis au niveau 5 et il me manque ouais, environ 1 400 $ pour passer au niveau supérieur. Mais là, lui, apparemment, c'est que de la couille qu'il a. Du coup, on va aller vers un autre dealer. Avec la Ford Mustang. On va aller voir quelqu'un d'autre, là, histoire d'avoir un peu de marchandises, quoi. Il est où l'autre? On va aller ici. Et après, au pire, on ira là où il y a le logo du fourgon blindé. Et si jamais il y a une course poursuite, bon on la prendra quoi, parce que c'est bien de tirer sur la police quand on est dealer, alors que quand on est policier c'est pas bien de se faire tirer dessus par les dealers. C'est la nuance, voilà quoi. Il y en a un qui kiffe et l'autre qui kiffe pas quoi. Allez du coup ouais le code de la route vous voyez qu'on s'en branle un peu. Et moi je vous dis direct hein, si jamais il y a qui que ce soit qui tire sur ma voiture, moi enfin qui fait quoi que ce soit sur ma voiture, moi je la barre. Il n'y a pas de ouais mais il y a un constat et tout, il n'y a pas de constat mon pote. Tu fais quoi que ce soit, t'es un homme mort, c'est tout. Hop. Hop. Et le drive. Oh, la mette, ça a baissé chez lui. Alors bon, vous savez quoi, au pire, on va... Non, c'est l'acide qui a baissé. Au pire, on va acheter de la mette. On va lui prendre tout ce qu'il a en mette. Hop. Allez, du coup... Hop, et là on va descendre tout doucement pour pas abîmer le châssis, même si je pense que c'est quand même fait. On va à celui-là.
Et il me semble que le bar de striptease. Ah ouais, club de striptease, ouais, il est juste à côté. Du coup, on ira juste après au club de striptease. Allez. Donc, vous l'entendez, la petite transmission sport là sur la voiture. Hein. Ah ouais, c'est bon, je vois où on est. Je vois où on est en route. On est vraiment pas loin du commissariat central de la ville. Là, faut faire super gaffe. Hop. Donc vous remarquerez les phares xénon, hein. Hop. Et ferme-toi, à partir. Parfait, regardez ma belle voiture là. Si c'est pas magnifique ça, regardez-moi ça. Hop là. Non, franchement, je suis amoureux là. Elle est trop belle. Je l'ai pas mal customisée en plus. Hop, du coup, nous on va essayer de vendre de la mettre à l'autre mongol qui est ici. Waouh. Ah ouais, d'accord, ouais, bah oui, s'il vend à perte, je vais pas gagner quoi. Allez. Hop, trop de flow dans ce que je viens de réaliser là. Hop, du coup, on va aller directement au club de striptease. Ouais, donc en fait, durant cette vidéo, j'aurais fait que perdre de l'argent quoi. Mais bon, c'est pas grave, au moins je vous aurais montré. Eh bien, ma richesse quoi, et vous savez quoi? Faut qu'il y ait un peu d'action, voilà. On va lancer une petite course poursuite et on finira au club de striptease après. Regardez comment on va vite, on les sème hein, les flics. Hein. Oh, ils percutent pas ma voiture par contre, moi je vous le dis direct, personne ne percute ma voiture. Ah, par contre, ils me tirent dessus, ils sont sérieux? Est-ce que j'ai un impact? Ouais, j'ai un impact, ils sont morts. Ouais, c'est ça, quand il y a des gangs qui veulent me tirer dessus. Ils sont armés là, ils me visaient dans le véhicule là. Ok, là je pense j'en ai eu aucun des deux. Ok, j'en ai eu un. J'ai eu le passager. Recharge, recharge. Oh, il m'a percuté. C'est de ouf. Ok, là je pense que je vais passer en secteur gendarmerie. Hop là. Voilà comment se met la police. Oh, il y avait un camion à récupérer là. Bon, c'est pas grave. Hop. La Ford elle est pas trop abîmée. On va semer la police et on va aller au club de striptease. Vous voyez ce genre de petites courses poursuites comme ça, c'est pas mal. Ou sinon je pourrais faire directement un épisode mais genre que course poursuite. Regardez, ils sont là. Oh, ils me tirent dessus. Oh, ils ont éclaté ma voiture, c'est un truc de ouf. On va leur mettre un. On va leur faire un petit doigt d'honneur. Oh. Voilà la police. Bon, je vais récupérer mon arme maintenant, on va arrêter de rigoler et on va leur botter le cul et les semer. Et du coup ouais, en plus je suis quasiment arrivé au club de striptease. Hop là. Ah, au second on va y aller puis ça va les semer quoi. Allez toi, me percute pas sinon je te tue. Hop là. Allez, ferme toi portière. Avec la fermeture automatique. Hop là. Et ils me retrouveront plus dedans. Salut les gars, comment ça va? Wow, salut ma belle. File-moi à boire. Perfecto. Grazie mille. Ah, je vais encore, je vais être un peu bourré là, en avoir un peu dans le nez là. Allez. Encore. Regardez comment il est beau. Ah. Vas-y, bois. Il a bu son verre comme les autres. Non, je rigole, sinon je vais pas taper un délire. Allez, encore, je vais être bien imbibé là. Comme ça, je vais conduire en étant totalement bourré. Ah ouais. Là, ça commence à être pas mal.
On va en prendre encore deux petits là, puis ce sera bon, je pense. Allez, encore un, puis ce sera bon. Et on va pouvoir reprendre la route, hein. Quoi ? Comment ça, non ? Bah vas-y, juste un, merci. Je suis sûr qu'elle est capable de nous en revendre un autre. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, donne-en moi encore un autre, s'il te plaît. Eh. Oh, il va vraiment pas. Oh, la connasse. Est-ce que je peux aller voir une meuf? Oh, ouais. Ah, j'accepte une danse, t'inquiète. Allez, on va la suivre. Bon, ceux qui ont moins de 18 ans, là, vous arrêtez de regarder la vidéo direct. Hein. C'est fini. Plus pour vous. Attirance de Julie, touchez la danseuse et flirtez avec elle pour remplir la jauge d'attirance. Attention, si le videur vous surprend, il vous mettra à la porte. You look great. Et comment je fais pour la toucher? Hey, don't take this personally, but I gotta go. Allez, j'y vais. Salut. Mais je suis plus bourré là. Ah, c'est trop nul. Ça m'a débourré. Ouais, vas-y, moi je veux boire. Vas-y, sers-moi à boire. Ah ouais, mais elle a croit que je suis bourré encore. Bon, vas-y, tu sais quoi, nous, on s'en va. On s'arrache, c'est pourri ici. Et puis, je pense que on va essayer de revendre notre cam. Attendez, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Salut. Vous savez quoi, vas-y, ils m'ont saoulé dans ce bar. Hop là, et nous, on se casse. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est les effets de l'alcool, je pense. Ah, il se branle. Il se branle, il est sérieux. Mais non. Wouah, chaud. Bon, pourquoi il veut pas remonter dans la Mustang là? Hein? Remonte. Ou prends ton arme et tire sur des gens là, je sais pas, fais quelque chose. Eh, bon. Dans tous les cas, les gars, ça sera la fin de cette vidéo avec cette magnifique Ford Mustang 2015 GT qui m'aura énormément charmé. Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu pour ce petit épisode 3 de Dilos. Il faut savoir que je l'ai tourné quand même 4 fois la vidéo, mais que j'ai décidé de la refaire parce qu'elle me convenait pas. Je trouvais pas ce que je voulais, j'arrivais pas à faire ce que je voulais ni rien. Et du coup, voilà, je pense que cette vidéo-là, je la trouverai bonne. Dites-moi tout ce que vous pensez dans les commentaires. Je vais tout prendre en note et si vous avez des idées pour les prochains épisodes, des modes à me présenter, des trucs par-ci par-là, je suis preneur les gars. Du coup, Cédric Cis les amis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et ciao, bye bye. Et super belle la voiture.